Bonsoir, bienvenue, nous sommes jeudi, nous sommes en direct. Vous suivez NCI en clair et sans décodeur et vous faites toujours très bien de le faire. Et pour ceux qui y sont habitués, périodiquement, on vous sert ce que l'on appelle ici LTI Tribute, entendez LTI Hommage. C'est une émission spéciale en hommage à un pionnier, à un devancier, à quelqu'un qui a marqué dans les archives de la musique africaine de façon générale et singulièrement de la musique ivoirienne ses marques, pour ainsi dire et pour se répéter. Ce soir, émission spéciale Koffi Olomide, le Quadrakorama de lettre A. Vous le savez, les appellations, les subjectifs, les superlatifs, les surnoms de Koffi Olomide sont à égrener sur un très long chapelet, plutôt kilométrique. On ne va pas s'amuser donc à les égrener. Ce soir, on va plutôt s'amuser à égrener son parcours. On ne reviendra pas sur des choses que vous savez. On va plutôt revenir sur des anecdotes. On lui posera des questions. On essaiera de découvrir l'autre pan, l'autre facette inconnue, méconnue de Koffi Olomide, qui est ce soir l'invité unique de la Télédici Tribute. Et puis en guise de cerise sur le gâteau, comme ça, comme des intermèdes musicaux. Pour ceux qui y sont habitués, on aura des interventions, des reprises. Il ne chantera pas ce soir, Yako, pour vous. Pour ceux qui souhaiteraient le voir chanter, il faudra se rendre au concert ce 26 octobre pour le voir chanter. Ce soir, c'est plutôt de jeunes pousses de la musique qui vont tenter autant que faire se peut de se rapprocher de l'immense talent de Koffi Olomide, ce soir dans la Télédici Tribute. Bonsoir. Bienvenue. Ce programme vous est présenté par Lonassi Online. Dans la télé d'ici, Tribute, c'est un rendez-vous périodique, cyclique, qui arrive comme ça, non pas comme un cheveu sur la soupe, mais en guise de surprise parfois, puisqu'on ne les prévoit pas, on ne les prédit pas. Du moins, ça reste dans le secret de l'équipe de production et de l'équipe éditoriale. Ce soir, c'est une émission spéciale Koffi Olomide qui va nous rejoindre dans quelques instants seulement. On va avec Gliss, avec Mr. Nketouké et avec Sonia, on va parler de Koffi Olomide. On va parler de Koffi Olomide sous trois aspects. D'abord, Koffi Olomide, ce précurseur, Koffi Olomide, l'iconoclaste, et Koffi Olomide, quelque chose d'autre. Vous allez le découvrir. Ça va, Gliss? Ça va très bien. Tout va bien? Oui. OK. Inké, ça va? Oui, ça va super bien. D'accord. Sonia, ça va? Ça va très bien, et toi? Ça va. On est là. Vous allez bien, messieurs et dames? Je me souviens qu'hier, quand on annonçait la venue de Koffi Olomide, quelqu'un dans le public a dit « je ne sais pas qu'on puisse sa réaction, en fait. » C'était du style... Mais est-ce qu'il est là? Non, c'était du style... Il est content. C'était du style... Oh, dans mon programme, je suis venu aujourd'hui. J'aurais dû venir c'est demain. Ça. Mais demain, je ne suis pas disponible. En fait, c'est comme ça que j'ai compris. C'est comme ça, ça que j'étais prête. Mais est-ce qu'il est là, je crois? Je ne sais pas. Si. Il est là. Ah, il est là, il a séché le cours. Bon, il paraît qu'il est là. Très bien. Bon, avant tout ça, il y a une petite météo quand même. Mais la météo, il est censé être faite devant Koffi. Mais donc, Koffi sera là et donc la météo de Gliss va se faire en présence de Koffi. Donc, qu'est-ce qu'on fait en attendant? Parce que lui aussi, c'est en présence de Koffi. C'est vrai? Le live aussi, c'est en présence de Koffi. C'est vrai, d'accord. Donc, on attendra tous Koffi. Koffi est là. Koffi va faire son entrée dans quelques petites secondes seulement dans le studio de la télé d'ici Tribute. Voilà, Koffi Olomide, qui ne chantera pas ce soir, on l'a dit. Hein. Voilà, ça va faire mal à certains. Mais là, oui, Yako. Mais on a trouvé, quelque chose, hein, une parade pour vous contenter. La jeune dame dans le dos, là, qui est désolée, c'est ça? Vraiment, Yako, ça va aller. Dans la mais vie, il est en concert ça. Après ici, bah, bien vous pouvez le retrouver. Ouais. C'est quoi, 30 000 Mais ce n'est jamais 20, pareil 30, jouer sur la scène de la télé d'ici que jouer en concert. C'est vrai. Ce n'est pas pareil. On est d'accord. Ici, c'est beaucoup plus intimiste. Ici, c'est beaucoup plus. Ouais, tu vois, on a l'impression que c'est un show personnel. Tu vois, il chante pour soi, on l'écoute. Ah, ok, finalement, c'est pas si mal. Finalement, ça n'a rien à voir avec le CD. Ok, c'est comme ça. Ok, voilà, c'est ça. Mm-hmm. Dans les concerts, ce n'est jamais la même chose. Les concerts, on arrange un peu des choses. Il y a des artistes, quand ils ne chantent pas juste, on arrange un peu en studio ou en concert. La télé d'ici, on n'arrange pas quand tu ne chantes pas juste. Bon, déjà, il faut chanter juste pour passer. Mmh. Et maintenant, quand tu valides le passage, la justesse du passage, il faut maintenant passer sur la scène. Et affronter le direct. Et affronter le live. Mmh. Et parfois, certains artistes qui séduisent en studio à travers le CD, quand ils passent par ici, on est soit satisfait, soit déçu du voyage. Bon,
Tous amis ensemble, il ne chantera pas ce soir. En fait, c'est le concept de LTI Tribute. Mm-hmm. Hein, on rend hommage plutôt à un artiste. Et ce soir, on va parler de Kofi Olomide, de choses que vous ne saviez peut-être pas. On va y revenir évidemment dans quelques instants. On ouvre le bal avec une formation qui a tenu à sa façon, musicalement parlant, de rendre hommage à Kofi Olomide, avec un artiste qui va donc ouvrir le bal. Mais avant cela, on a préparé un petit medley hein, de Kofi Olomide qui résume un peu bah, écoutez, ce qu'il sa a carrière? Fait. C'est plus de 40 ans de carrière. Un peu. Légèrement. Juste un peu, d'accord. Parce que franchement, Kofi, on regarde, on découvre le medley. Bébé Mamba, l'infalsifiable. Choisis ma tata. Jean-Paul. La bière a réussi, au Bali à Canapéti. Il est temps à présent pour nous de recevoir l'unique invité de cette télé d'ici tribute, Monsieur Kofi Olomide. Bien content de te revoir et de te retrouver. Moi aussi, je suis ravi, j'avais hâte de te revoir. Tu as vu ? Et de revoir cette jeune femme, oh là là. Alors, Kofi, je ne t'ai jamais vu autant simplement habillé. Pour ne pas dire simplement. C'est parce que tu me vois une fois tous les deux ans. C'est vrai. Ouais. Bon. Je suis simple, je suis saillant, voilà. Bon, on a baptisé cette séquence Kofi Olomide l'insubmersible. Tu penses que ça te sied ? On peut dire ça comme ça, mais bon, c'est, vous savez, quand on fait artiste, quand on fait chanteur, il y a toujours des vocables, des concepts comme ça. C'est ça. Mais bon, moi, je suis Kofi, le fils de ma maman. C'est ça. Voilà. Kofi qui arrive constamment à se réinventer en plus de 40 ans de carrière. Ouais. C'est fort. En fait, je ne fais pas exprès. J'essaie juste de toujours bien faire ce que j'ai à faire, c'est-à-dire mes chansons. Moi, je joue un peu à la guitare. Il y a quelqu'un, un de mes anciens musiciens, j'en ai 200 ou 300 maintenant, je ne sais plus, qui a dit un jour quelque chose, je ne sais pas s'il sait la valeur de ce qu'il a dit. Il a dit, ce mec, Kofi, quand il fait, quand il travaille, quand il fait une chanson, c'est comme si c'était sa première chanson. C'est ça. Il s'implique, il s'applique, ça nous étonne toujours. C'est cela. Je pense que lui, il avait tout résumé. Il a résumé. Bon, voilà. Très bien. Ce qui va se passer ce soir, c'est que tu ne chanteras pas. Après, ce n'est pas je chante samedi. Oui, ce soir, tu ne chanteras pas, c'est sûr. Donc, ce qu'on te reçoit dans le cadre d'autre chose s'appelle LTI Tribute, LTI Hommage, pour un peu te rendre hommage. Merci. Revenir sur l'ensemble de ta carrière. Merci beaucoup. Et en guise de cerise sur le gâteau, ce sont plutôt de jeunes artistes qui vont chanter.
important. Waouh. Et pour ouvrir le bal, c'est Amou accompagné de l'orchestre section 4 qui s'y colle. Mm-hmm. On l'écoute maintenant pour ouvrir le bal. D'accord. Les grands mentors, ils comptent de sa génération, mais c'est Touré Aboubacar. Oh, chérie Noé. Et tout n'a qu'à t'entendre, mon dingaï. Tout n'a qu'à t'entendre, bien aimé. Moto zala kyo benga bébé. Yo moko loba ki na mi pesano. Yo moko prometa ki yé le ciel. Yo moko la ka ki yé la lune. Na gobiga te o. Que beaucoup pardonné à cause de la mine. Yo mon coco no lisa monte manaye. Oh amour et bon macara, l'envé bon manaka. Amour et bon macaye, l'envé bon manaka. Quelquefois, à sa zèle, et si caca, c'est qu'elle est éternelle. La capata rétroviseur, comme a voli oyo lonaki. Na moté ma mona mninge boti. A kovika te o. Faut que poko pardonne. Na kosa la mine. Appel na na voya au secours. Sokyo kotuna yo koyo kae. Yo baby si vina nga libela. Amore bo maka, love bo manaka. Amore bo maka ye, love bo manaka. Quelque fois, asa se ye. Yo moko mato banaki. Papa na rokie, papa na mi no mi no mi si l'univers. Les gars mon pao, yo moko moto banagi, pe yo moko oye kasuki samae, lipate la lie panaga. Esa rien, c'est rien, ça n'est rien, Santa Bella. Flora Bella, Bolingo, que Panama miso zoni zoni, Amoro, que Panama miso mai mai, Aosio bimbo ke inama babu, Iyo bossa ni bise mona baba si tomona, Mabena moko ni na mote mana yo. Nazakolela
Boli moi ke wa pie na ko mi lela lela ko lela Merci les grands Amour, justement pour rire le mal de ce LTI Tribute en hommage à Koffi Olomide, peut-être en 30 secondes impression, Koffi Olomide qui est d'abord et avant tout grand parolier, amoureux dans la vraie vie comme à l'écriture, mais surtout grand recruteur, j'ai envie de dire, de talent, justement. Impression sur ça? C'est bien, c'est un super bon chanteur. Le groupe, il n'y a rien à dire. Il y a juste une note qui m'a un peu dérangé. Laquelle? Mais tout va bien. Mais tout va bien. Il y avait un La mineur quelque part, mais bon, c'est pas grave. D'accord. Bravo à vous les gars, c'est très bien. Très bien. Est-ce que ça veut dire qu'il a étudié la musique, il a fait le conservatoire? Alors, tu me confiais justement, en mars, alors, à la faveur d'une interview à la radio, c'était pendant l'écran pub, il y avait dans le studio comme ça une guitare qui traînait et Koffi qui prend la guitare et qui me dit... Je dois tout, en fait, à cet instrument. Ouais. C'est la guitare qui a fait de moi ce que je suis. Ouais. J'ai eu des problèmes avec... à l'époque où j'étais célibataire, mes copines me tapaient un peu à la tête. Ouais. Il y en avait plus pour ma guitare que pour elle. Quoi. Ah, carrément. Ouais. Ouais, ouais. On a une météo pour savoir s'il va pleuvoir ou pas sur la tête de Koffi. Hein? S'il va pleuvoir ou pas. On verra. Et donc, ce sera la météo de Koffi Olomide. Ah, oh, cette fille. Oui, c'est pour le look, après, c'est pour le look. C'est la même, sans les cheveux cette fois. Ouais. Alors, Koffi, vous avez révélé beaucoup d'étoiles dans le ciel musical africain et même au-delà. Parmi les bonnes graines que vous avez arrosées, il y a Savané Depicho, qui a pris du relief si bien qu'il n'a jamais connu la sécheresse dans sa carrière. Et si le soleil Wanga brille encore aujourd'hui, c'est parce que vous lui avez appris à survivre aux attentats et à tout autre danger de mort, même dans un monde arabe. Sur votre planète, vous avez le Mirage qui est une réalité supersonique et le kérosène qui coule à flot dans toutes vos affaires d'État. Dans votre monde, il ne fait jamais froid grâce à une unité spéciale appelée Brigade Sabarty pour les amoureux du show. Vous êtes toujours sur un petit nuage parce que vous n'avez dans votre univers que des bourreaux de talent comme Mpella. Et il fait toujours beau dans votre atmosphère de paix où règne Eric Tutsi. Vous êtes toujours au zénith quand vous faites le cœur avec Cindy. Même s'il vous arrive de croiser le fer aux côtés de Gola contre vos ennemis, vous avez un arc-en-ciel de voix dans votre galaxie mélodieuse qui fait de vous le seul super-héros qui a 10 caps. Quelle merveille! Dans votre quartier latin... Incroyable! Non, elle m'explose, quoi, c'est pas possible. Non, mais n'explose pas trop. On a encore besoin de temps pour... jusqu'à la fin de l'émission. Après, tu peux exploser. Alors, dans votre quartier latin et votre enrichissante carrière, vous avez formé et fait venir une pluie de chanteurs extrêmement doués en vous en reconnaissant. On voudrait vous dire ce soir que finalement, musicalement, vous n'êtes pas simplement Koffi Olomide, vous êtes Koffi Olomidieu. Ouh! Bon, je crois qu'après ça, on peut arrêter l'émission. On peut résumer l'émission à ça, voilà. Bel hommage, je pense que... Mais qui l'a recruté, elle? C'est elle, mais c'est le fait comme ça, le ministre est assise. Vraiment, franchement, non. Je vous adore. Tu l'as préparé en combien de temps, ça? Assez longtemps quand même, je savais que vous veniez aujourd'hui. Non, donc, mais franchement, non. Ouais. Olomidieu. Oui. Oh là là, rappelez-vous. Alors, Koffi, il y a une chose qui est particulière chez toi, c'est aussi le choix de tes titres. Tiens, ouais. Je lis comme ça pêle-mêle, je donne quelques titres. Moustiquaire, Première Dame, Droit de Veto, Médecin de Nuit, Efrakata, Salopette. Ça te sort d'où ces inspirations? Bon, c'est quand même... j'ai quand même, à la base, une formation. J'ai quand même été un peu longtemps à l'école. Ouais. J'ai une certaine culture, je lis beaucoup. C'est cela. Et c'est peut-être les séquelles de tout ça, les restes de tout ça. Donc, ça vient de ma culture générale. C'est cela. Parce que je suis allé, par exemple, avoir cette émission sur une plateforme, sans faire de publicité Spotify. Donc, j'essayais de retrouver un peu des titres de Koffi. Quand je tape Moustiquaire... Le seul nom qui apparaît en face, c'est Koffi Olomide Moustiquaire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas deux artistes qui ont écrit un titre qu'ils ont baptisé Moustiquaire. Ça arrive. Première Dame, c'est que Koffi et tout. Ce qui fait de Koffi sa singularité, encore une fois. Merci. J'aimerais, on ne va pas refaire Koffi Olomide, l'histoire on la connaît, on t'a reçu il y a quelques mois de cela. J'aimerais qu'on revisite Koffi Olomide au travers de titres, surtout de duos emblématiques. Oui. J'aimerais qu'on revienne sur ce duo qui a secoué, au sens positif du terme,
toute la région centrale de l'Afrique et l'Afrique de façon générale. C'est ce duo avec Feu, Papa Wemba. Ouais. Wake Up, on est en 1996. Mmh. On va écouter un bout et puis un petit commentaire rapidement sur cette histoire, d'accord, cette rencontre, cette, ce duo. On en parle, l'histoire derrière Wake Up. Papa Wemba, c'était mon idole. Moi, j'étais étudiant. Lui, il était chanteur dans Zaïko, Zaïko Langa Langa. Mm-hmm. Et puis, il a quitté Zaïko. Il a créé son orchestre de la musique. Moi, je suis parti étudier en Suisse. J'avais 18, 19 ans. Mm-hmm. Et puis, c'était de notoriété publique. Il chantait les chansons que moi, j'écrivais. C'est cela. Et pour moi, c'était un honneur. Mm-hmm. Et puis, ça s'est su. Et on m'a surnommé à l'époque l'étudiant le plus célèbre du Zaïre. C'est cela. Pour moi, avant, c'était le Zaïre. Hein? Tout à fait. Oui. L'étudiant le plus célèbre du Zaïre. C'est ça. Fait le milieu. C'est ça. Et puis, quand j'ai terminé les études, tout mon entourage, mes potes, il y avait beaucoup de chansons. De la première chanson de son orchestre jusqu'à un certain nombre, c'était écrit par moi. Mm-hmm. Et tout le monde, non, il faut faire ça. Moi, je me voyais dans un bureau un peu comme toi. Je me voyais mon papa aussi. Mm-hmm. Et puis, heureusement que j'ai écouté les gens et je suis devenu Kofi. Et du fait que j'ai commencé à chanter moi-même mes chansons, les fans de son orchestre ont commencé à tirer un peu sur moi. Je suis devenu un peu l'ennemi public. C'était tout énorme, ça, Papa Wemba. Et quand on s'est retrouvés dans la même maison de disques, Sonodisc, à Paris, à l'époque, mm-hmm. rue Fondary 75, je me rappelle toujours. Mm-hmm. Un jour, le patron dit, vous êtes, tu es, Kofi, tu es vraiment l'icône, le fleuron de la maison disque. Papa Wemba est là, c'est ton vieux. Est-ce que vous ne voulez pas un jour faire quelque chose? Moi, je dis, moi, je n'ai pas de problème. C'est comme ça que Wake Up est né. Il nous a convoqués, l'un et l'autre, et puis on s'est parlé. Et puis on a fait le plus grand duo de la musique congolaise de tout le temps jusqu'à aujourd'hui. À ce jour, ça reste le plus grand duo. Ce feat a toujours le cœur qui bat. Mm. Quand bien même les intempéries, les turbulences, mais c'est quelque chose qui a le respect de tout le monde. Avec une touche très occidentalisée, j'ai envie de dire, justement, de cette rumba, qui jusque-là était la rumba telle qu'on la connaît. Voilà. Et je pense que c'est ça qui a apporté aussi toute la touche de charme à cette collaboration. Voilà. Parlons d'une autre collaboration, on est en 2004, avec un Ivoirien, celui que tu appelles affectueusement ton jumeau. Oui, mais oui. Mais oui. Oui. C'est le titre Kakamu Prudencia. Tu as l'art de nous mettre d'accord. Kakamu Prudencia, voilà, la rencontre avec Mewé, ton jumeau, j'imagine que... D'abord, je le salue là où il est. Ouais. Lui, c'est que ce soit midi, à minuit, le matin, quand il veut de moi, pour quoi que ce soit, je suis toujours prêt. C'est ça, vice-versa c'est, aussi. C'est vraiment, oui, c'est probablement pour moi le meilleur, vrai. Parce que lui, il n'a jamais fait que la musique ivoirienne. C'est cela. C'est pour ça que moi, je lui dis bravo. C'est cela. Il y a eu le zouk dans la musique ivoirienne, il y a eu beaucoup de variétés, mais lui... Il est resté attaché à la musique ivoirienne. Si j'en juge par la série des Oblazo. Non, mais moi, je dis chapeau à ce gars. C'est un super bon chanteur. Il chante que juste. Mm. Donc, je le salue. Parfait. Il a mon respect. Donc, si c'était à refaire, je referais. Voilà. Par contre, je chante samedi au Palais de Congrès, où j'invite tous les mélomanes. Vous tous, faut être là, les jeunes. Le 26. Voilà. Il faut être là parce que c'est Kofi à la carte. C'est-à-dire que chacun choisit sa chanson. C'est ça. Voilà. Et ça va être compliqué, il faut se souvenir de toutes ces chansons quand même, il y a 40 ans. Moi, si je ne m'en souviens pas, je chante un petit bout. Bon. C'est déjà le geste qui compte. C'est une astuce, absolument. Mais je pense que je peux me souvenir de 90% quand même. Oui. Donc, mais je vais rester
parce que je clippe la chanson que j'ai faite il y a 2 ans maintenant avec le grand Alpha Blondy. Bon. Donc, quand parlais de Mewé, je veux parler de grand, je le salue aussi. Absolument. Il m'a honoré de m'inviter sur une de ses chansons. Tout à fait. Donc, on va clipper la chanson là après le concert. On poursuit notre périple donc, sur les grands feats hein, de Koffi Olomide, les feats africains. 4 ans plus tard, on est en 2008 exactement. Koffi Olomide et Youssou N'Dour se rencontrent sur ce titre-là. Ouais. Yes, Koffi Olomide et Youssou N'Dour. Un petit commentaire, 10 secondes sur cette rencontre aussi. Je suis venu... Deux grands de la musique africaine. Je suis venu à Dakar, dans son studio, pour qu'il chante. Mm-hmm. Nos emplois de temps ne concordaient pas. Ce mec, j'ai mis la chanson. Ouais. Il a chanté du début à la fin. Uh-huh. C'est-à-dire, on a muté ma voix. Uh-huh. Il a chanté 4 pistes. Mais en direct, sans s'arrêter. Oui. Applaudissez Youssou N'Dour. C'est un immense chanteur. C'est ça. Moi, il m'appelle le lion de l'Afrique. Moi, je l'appelle la voix de diamant de l'Afrique. D'accord. Voilà. Alors, s'il y a une chose aussi qui, je pense, explique le fait que tu sois si insubmersible que ça, c'est aussi ta faculté à te régénérer en tendant la main à la jeune génération. Et on a retenu comme ça ce duo qui n'a pas fait plaisir du tout aux hommes, ça je peux te le dire, ah bon, et qui a gagné le cœur des femmes. C'est La Femme de quelqu'un avec Singila. Ah oui. Bon, et tu jouais d'ailleurs un rôle que les jeunes hommes qui n'ont pas beaucoup d'argent et qui ont leurs copines qui sont arrachées par ce qu'on appelle les sugar daddy, ont détesté La Femme de quelqu'un. Ils ont détesté ça. Oui, non pas elle, du tout. Un duo presque évident, j'ai envie de dire. Oui, Singila m'a invité sur cette chanson-là, il avait bien fait, il m'a envoyé le son. Ouais. J'étais chez moi dans mon studio à Kinshasa. Uh-huh. J'ai fait un peu comme Youssou N'Dour, j'ai chanté 3 fois. Parce qu'il y a une version où je chante tout le temps, tout seul. Okay. Mais c'est vraiment privé, il y a d'accord, nombre de mes amis qui l'ont écouté. Ouais. Et c'est vraiment, il avait fait un bon choix et je le remercie encore. Est-ce qu'il t'est arrivé de décliner des propositions de collaboration? Pas vraiment, mais il y a des chansons où j'ai chanté puis j'ai pas vraiment aimé, mais j'ai décliné, non. D'accord. Est-ce qu'il y a des thématiques qui te dérangent, sur lesquelles tu ne chanterais jamais en duo? Bah, les histoires politiques, hein. Les histoires politiques, en featuring, des trucs politiques. Oui, ça, ça va pas du tout. C'est délicat. Ouais. Sauf si c'est toi qui écris la chanson. D'accord, je vais y songer. Tu as aussi Koffi Olomide. J'ai envie de dire, c'est peut-être l'un des rares artistes africains à être très célèbre dans les 5 grandes régions de l'Afrique. La corne de l'Afrique, incroyable. Koffi Olomide reste encore un phénomène là-bas. Je pense à la Tanzanie, à l'Éthiopie, whatever. Et là-bas, tu acceptes de chanter avec un jeune artiste aussi, c'est Diamond Platnumz. Ouais. Ça donne ça. Waouh. 2 mètres. On a le sentiment qu'après toutes ces années, Koffi Olomide, même s'il ne chante pas, il suffit ce qu'ils disent. Oh. Je suis Koffi Olomide. C'est suffisant déjà pour valider un duo. Si j'avais été américain, il n'y aurait pas de doute. Mais bon, c'est vrai. Ouais, c'est pas faux. D'accord. En tout cas, je pense qu'elles ont adoré ce duo, les jeunes dames. Et c'est pas plus mal. Surtout La Femme de quelqu'un aussi. Sonia, oui, c'est son coup de cœur, c'est ça, hein? Je vais la partie où il dit à Singila, petit lest, la femme, c'est ta chérie, c'est ma femme maintenant et tout là. Ah, c'est trop bien. J'aurais mangé le caviar, maintenant elle habite dans le 16e. Bon, on a parlé de ton jumeau de Côte d'Ivoire. Il y a quelqu'un qu'on prend parfois pour Koffi Olomide, ou moins c'est arrivé qu'on le confonde à Koffi Olomide. C'est Félix Oise, quoi. On le confond à Koffi Olomide. À Koffi Olomide. Du point de vue ici? Oui, du point de vue vestimentaire, du point de vue du look et tout. Bon, c'est vrai que tu ne mets pas de gants, toi. Lui, il en met tout le temps, d'ailleurs. Et avec Oise quoi, justement, vous avez collaboré sur un titre. On va le réécouter pour le souvenir. L'amour est l'Elisa Kaye. Richard Kabalove Tungi Sakai. Yaka. C'est la rencontre de deux charmeurs, mais surtout de deux paroliers à l'origine.
Félix Oisekwa, grand parolier aussi de la musique congolaise. Oh oui, on peut dire ça comme ça. On peut dire ça comme ça. Ouais. Au pur. Voici un autre titre aussi. Bon, au pur. Je profite pour saluer Taylor Lubanga, un ami à qui on avait dédicacé cette chanson. D'accord. Taylor, salut l'expertal. Ok, parfait. Ce qui arrive, c'est un duo, mais ça relève plutôt de l'improvisation. C'est un concert de Koffi Olomidé. Oui. Et son ami de très loin, Alpha Blondy, lui fait une petite surprise sur la scène. Oui. On écoute ça. Autour de toi, il y a tant d'amour. Autour de moi, il y a tant d'amour. Autour de nous, il y a tant d'amour. Autour de nous, il y a tant d'amour. Autour de nous, il y a tant d'amour. Applaudissez-moi. Pourquoi les gens appellent ça? Pourquoi les gens appelaient ce moment le moment de la réconciliation? Il y avait un souci entre vous deux? Ah non, non, ça c'est les méchants, mécréants. Il n'y a jamais eu de soucis, non? Vous êtes en revanche Le problème dans nos pays en Afrique, quelquefois, c'est le manque d'humour aussi. Moi, je rigole beaucoup, mais quelquefois, il y a des gens qui ne sont pas réceptifs à l'amour. C'est ça aussi qui pose problème. D'accord. Mais il n'y a jamais eu de soucis. D'accord. Ça, c'est deux rencontres improbables, j'avoue. Deux styles totalement différents. On a un qui est dans les aigus, on a un qui est dans les graves. On a un qui est plutôt sobre, on a un qui est plutôt dans... l'extravagance. Moi, je suis extravagant. Tu me trouves extravagant. Oui, c'est une belle extravagance. Et toi, là, ce soir C'est juste pour vous, hein. En vrai. Il a fait juste pour vous, hein. Je t'adore, chèque. Et à ce moment-là, il chante la politique, Kofi ne chantera pas la politique. Si, j'ai quand même des chansons où j'ai parlé des problèmes de mon pays. C'est quand vrai. Même. Et ça t'a valu quand même quelques. Non. Comme les chansons politiques, hein. Mais moi, je me suis mis à la place du peuple, de mes compatriotes. Mmh. Et puis, j'ai posé la question, comment était-ce dans un pays aussi riche? Il y a très peu de gens qui ont le sourire. Mmh. C'était le thème de la chanson, ça avait touché tout le monde. Tu es l'un des rares artistes francophones africains à être plutôt bien connu au Nigeria, qui reste un marché un peu fermé. J'ai 10 ou 15% de sang nigérien et sierra-léonais. Ouais. Donc, c'est vrai. Mais je salue le Nigeria, un pays que j'aime particulièrement. Et comment ça a été accueilli ce duo avec Davido, qu'on écoute d'ailleurs en fond sonore? Ah, mais c'est super dur, ça a été très très aimé, il n'y a pas de problème. Kalimbelembe, il n'y a rien à dire. D'accord. J'étais au Nigeria, même au Ghana, il y avait une bonne réception de la chanson. Bon d'accord, accueil, voilà. Parfait. Kofi, on va te laisser souffler, je sais que tu es arrivé en trombe ici, tu ne t'étaches et ne t'étapes pas. Non, ne t'échappe pas. Non. On va à la pub. Je t'aime trop pour ça. À tout de suite. Suivez ce programme avec l'ONACI Online. Et vous faites toujours très bien de le faire. La télévision tribute ce soir en hommage à Koffi Olomidé, qu'il faut le rappeler d'ailleurs, est annoncé pour un spectacle ce samedi 26 octobre. Un concert à la carte, à la différence des concerts précédents, en d'autres termes. Ceux qui veulent écouter des titres particuliers de Koffi Olomidé n'hésiteront pas à réclamer, à revendiquer, à exiger d'écouter ces titres-là. S'il ne s'en souvient pas, ce n'est pas grave, il jouera juste quelques secondes. Le plus important, c'est d'essayer. Bon, on pourrait un peu reprendre justement son idée. Dans la dynamique d'hommage à Koffi Olomidé ce soir, Abou Mala est sur la scène de la télé d'ici. Il nous rejoue justement le titre musulman de Koffi Olomidé. Ça date, non, musulman? Oui, ça date, oui. Ça date. Oh, oui, c'est... On l'écoute. Le grand Mopa au quadra Coraman, maître de double demeure. L'icône de sa génération, Boubacar Touré, Jerry Niaoué, Monsieur Poutine, Dieu Djambon Naïmène, le très spécial. Mototo lingana kakoleka mbunga na nguba. Mototo lingana kakoleke mbale na visi. Mototo lingana kakoleka mbunga na nzete na kamwe. Zela ya kamyola ndaime yango te. Poko yango mbunga zela zava kela mpona yodi. Mbunga bakalika toloni ozeli bambu. La sang que kokota
katia molili mabokwe koya kolemba Mote mana yoga na yebye lokwe lingaka Nzoto na yoga na yebye lokwe bonganango bangote Merci Kodra Koraman pour ce que vous faites pour la musique africaine. Voilà, je te montre la Yemene. Eh, nanya mona linga, Kodra Koraman. Eh, nanya mona linga, mede bakayoko. Eh, nanya mona linga, asatoué. Si bon ou bongo, est-ce que mon yeme, ce qu'on fait? Et d'abord la Claudine, voici ta naza, ok. Icône. Nanya monelinga mama si na biso Boye bisa ye azonga na ta Boye bisa ye plus na ye zaye pa ya mofa we pour la vie Ata na boke na sala bonayo
ne suis pas content. Qui est accompagné de l'orchestre section 4 musique, en hommage à Koffi Olomidé qui reprenait le titre musulman, qui a fait d'ailleurs se lever Koffi Olomidé, et qui l'a amené aussi à faire du travaillement. Au Congo, ça se dit comment, ça de mes chansons, j'en ai 600, 700, je ne sais plus. Ouais. C'est l'une de mes préférées, mais personne n'en parle jamais. Et je suis surpris que ce jeune homme ait eu l'idée de l'interpréter, mais c'est alors ça. Avec maestria. Ouais. Et cette fois, il n'y a pas eu de là qui a sauté dans le nom. Il n'y a pas eu de quoi qui a sauté. Non, c'est là, parfait. Là, c'est impec. C'est parfait. Une chose est d'écrire ces chansons, de les chanter. Oui. Une chose est de s'asseoir et d'écouter les gens reprendre. Franchement, ça me fait. Qu'est-ce que ça fait, honnêtement? J'ai jamais été chanteur. Je te jure, ça me fait un effet. Ouais. J'avais jamais ressenti ça comme ça. Je le dis, je le flatte pas. Mm-hmm. Il a vraiment très bien interprété ça. D'accord. Très bien interprété. C'est aussi une force qu'on te reconnaît. Dommage pour vous qui parlez que Bamba, c'est ça, votre langue, c'est Bamba, là. Ah, il y a beaucoup aussi. Hein. Bamba, ça, c'est Caïman, c'est pas ça. Non, Bambara. Dommage que vous ne compreniez pas ce texte. C'est vrai. C'est l'un des plus riches que je n'ai jamais écrit. Et ça te fait mal, tu le dis toujours, parce qu'on est plutôt porté sur le Sébène. Ouais, c'est ça. Bien, voilà, c'est alors tu aimerais bien qu'on comprenne la profondeur de tes chansons. Il faudrait peut-être qu'on songe aussi à traduire justement toutes ces paroles-là dans des langues accessibles à tout le monde pour qu'on comprenne la quintessence et la profondeur de tes messages. Et pourquoi il aime cette chanson en particulier, Koffi? Je ne sais pas, je l'ai écrit spontanément, d'un trait, parce que avec ma guitare. À la base, c'était une chanson que je voulais chanter guitare-voix. Mmh. Et puis, bon, les musiciens aimaient beaucoup. Et puis, c'est venu. Mais le texte est trop profond. Il parle de quoi? Ça parle d'amour, de déception. Comme d'habitude. Tu peux sourire, mais ton cœur souffre. Tu peux avoir des postures de joie. Tu vois, Cheikh qui est là avec sa veste. Peut-être qu'il a un petit problème. C'est vrai. En fait, c'est ça, quoi. Ouais. Très bien. Je disais tantôt qu'il y a une chose qu'on doit quand même te reconnaître et qu'on ne peut aucunement te contester, c'est ta faculté à déceler des perles, ouais, artistiquement quand même, parlant. Quand même, ouais. Regardez cette petite vidéo sur laquelle je suis tombé accidentellement sur TikTok. Il y a quelqu'un qui s'est amusé à faire une sorte de medley des grands ambianceurs qui sont passés par le quartier latin. Ah oui. On regarde. C'est qui ton ambianceur? Mira Supersonic. Ah oui, sur, Aditam, oui, sur Génération Bercy notamment. Il y a quoi à toi? Ouais, bon, ça, une autre fois, on va y penser. Justement, l'air des Congo avec Zaïre foisonne de talents de ce type. Quel est le secret pour déceler la perle rare? Je ne sais pas le dire avec des mots, mais ce que je voulais dire, l'année prochaine, je vais faire l'un des premiers de mes concerts pour mon jubilé. J'y pense. À un moment donné, il faut y penser, à l'hippodrome de Vincennes. Okay. Je l'annonce ici ce soir à la télévision ivoirienne. Je vais annoncer bientôt officiellement la date. Mm-hmm. C'est un énorme événement pour ma vie d'artiste. C'est un énorme, quelque chose d'énorme. C'est ça la combienième année de carrière l'année prochaine
48, je ne sais pas, 47, je ne sais plus, quelque chose comme ça. Okay. Et donc, à voir ça, je vais inévitablement inviter quelques-uns de ces têtes-là, de ces jeunes, mm-hmm. qui sont aujourd'hui des messieurs, qui mm-hmm. ont servi le quartier latin, pour qui j'ai du respect, mm-hmm. sincèrement. Donc, mm-hmm. je vais les inviter à ce concert-là. C'est, comme j'ai dit, ce sera l'un des premiers des concerts pour mon jubilé. Mon d'accord, jubilé. Mais tu ne sais pas dire comment tu les recrutes. Comment je les recrute? Comment tu décèles la fibre? Non, tu te présentes et puis je t'écoute. Je fais une audition. Mm-hmm. Et j'ai mes petits critères à moi. Mm-hmm. Je ne vais pas le dire ici. Oui. Donc, tous ceux-là que vous avez connus, ouais. ça s'est passé comme ça. Ça. La seule artiste que moi j'ai... c'était dans un studio. Ouais. Et il devait chanter, faire des chœurs. Ouais. Et puis, j'ai dit, mais toi là, comment tu t'appelles? Et puis, il m'a dit, moi, c'est Cindy. Cindy Lecaire. Elle, les chœurs. Pas les cœurs. Ah, c'est pas les cœurs. Pas les cœurs, les cœurs. Cindy le cœur. Le cœur, oui. Le cœur. Toi, tu t'appelles comment? Glisse. Glisse. Glisse, voilà. Comme glisser, quoi. Ouais. Non, je savais que tu allais rajouter. Yes. Donc, elle, ouais. elle a pas fait d'audition. Ouais. Elle a chanté dans un studio et j'ai tout de suite compris que ça, c'est une grande star. La mère rare. Elle est là, elle est à ouais. l'hôtel, peut-être qu'elle suit. Et, ouais. et samedi, elle a hâte. De faire tomber tous les hommes de Côte d'Ivoire. Ah bon, voilà. Bon, est-ce que c'est ce que tu as fait pour cette vidéo-là? Regardons, c'est Bomengo. Ah, Bomengo, ça ouais. c'est... Ouais. La vie est un combat, y'a fidèle babalaro. Zilantikouya Moulini, Naïna Mekabe. Persévérance, volonté, y'a moi qui fais l'homme en rond. Non, 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 choto, choto, mon chamboyo. C'est comme ça que ça fonctionne, le casting? Non, ça, c'était déjà des gens oui, recrutés. Oui, mais dans l'esprit. Et j'ai fabriqué une chanson. Je l'ai dit, quand j'ai fabriqué une chanson, mm-hmm. j'ai chanté au début. Et puis, j'ai demandé à chacun de faire un petit bout seul. Mm-hmm. On appelle ça solo vocal. Mm-hmm. Et ça donnait ça. Et chacun est singulier dans son genre. Exactement. C'est alors, c'était une richesse incroyable. Le quartier latin mm-hmm. continue de faire rêver les jeunes. Tous les jours, tout le temps, il y a des jeunes filles, des jeunes gens qui viennent. Pour essayer d'être dans le quartier latin. C'est cela. L'orchestre de tous ces gens-là que, mm-hmm. que je ne vais pas citer, de nom, je vais en oublier. Mm-hmm. Et sur TikTok, ils vont encore me cibler. Ah, bon. Il y a. C'est quoi le maître mot au quartier latin? C'est quoi la règle? Talent. La devise. Talent, compétence, travail. Mm. Voilà, je le redis souvent, il faut être capable, il faut être à la hauteur. Mm-hmm. C'est un orchestre de renommée. Je pense qu'un jour, on dira que c'est peut-être parmi les deux, trois plus grands. Orchestre de tous les temps du Congo, de la République. C'est pas rien, parce qu'il y a eu des orchestres comme la Frisa, le Zaïko, Viva, mm-hmm. Wenge, je vais en oublier. Mm-hmm. Mais quartier latin, c'est quelque chose. Qu'est-ce que tu veux qu'on retienne de toi? Ça, c'est la séquence, vraiment, qui fait pleurer. Hein. Quelqu'un qui aura aimé les gens, qui n'a vécu que pour aimer les gens. Parce que je ne sais pas quitter un studio mm-hmm. quand je ne suis pas convaincu, quelquefois. Je me trompe. Mm-hmm. que ce morceau-là que je viens de faire, ce que je fais là, va plaire. Mm. Et je me mets toujours à la place de celui qui va m'écouter. C'est-à-dire, pour moi, faire la musique, c'est d'abord respecter le public, les gens qui écoutent. C'est-à-dire, essayer toujours de se mettre à la place du public. Mm. Et puis, mettre chaque fois un bout, sinon
une bonne partie de son cœur dans ce qu'on fait. Et peut-être on retiendra aussi celui qui a plus aimé sa guitare que les jeunes filles. Allons la pub. Il est trop fort. Ici, tribute avec M. Kofi Olomide, lettre A, le quadracoraman, le professeur des élèves, le conquistador, Del Pirlo, Mourinho. Bon, laissons tomber cette affaire. OK, il y a une déclassification quand même. Oui, bon, ouais. OK, juste après ça. Oh, tu laisses tomber. On va pas s'en sortir. T'es pas courageux. Non, on va passer toute la semaine. Prends ton toute courage, jamais, vas-y. D'accord, je vais lister là. Eke va s'en charger. Allez, on y va, Eke. Avec les affaires classées, il y a tout le dossier. Oh mon fils, j'ai mis la première. Garde un photo. Garde un photo. Écodibé. Vous savez, quand le grand Mopao est là, c'est la joie, c'est vraiment la fête, c'est l'ambiance et tout. On va passer toute la nuit ici en train de citer les noms du grand Mopao. On va pas finir. Quadracuraman, et le père du quartier latin, et le faiseur d'Esta, et le 13e apôtre, et le vieux Ebola, et le jeune Pato, et j'en passe, etc., etc. Opa, soyez salués depuis votre position. En fait, il m'a dit... En fait, il joue beaucoup à la guitare aussi, mon oncle Lulus Benro Kassim. Et il m'a dit que vraiment, c'est le grand Mopao qui l'a inspiré. Ah oui, bon? Oui. Oui, il joue beaucoup à la guitare aussi. Et ce qu'il m'a dit, qui m'a le plus impressionné, c'est comment... C'est-à-dire, malgré tous les noms du grand Mopao, c'est le nom Olomide, comment c'est arrivé. En fait, comme ça dit, un jour, il était assis comme ça au quartier latin avec tous ces jeunes-là. Et il dit, bon, OK, mettez-vous à l'aise. C'est-à-dire, créez quelque chose. Donc ils sont là, les gars se cherchent, les guitaristes sont là, les batteurs sont là, chacun se cherche. Il est assis puis il les regarde. Et à un moment donné, il a sorti une petite phrase. Quand il a sorti ça, il y avait un gars qui était assis, il a dit « Ouais, l'homme a aidé. » Voilà comment de l'homme a aidé, c'est devenu Olomide. Voilà. Donc, l'homme a aidé Kofi Olomide. Soyez salués. D'accord. Merci. Bon, même Kofi l'ignorait, mais c'est ça la vraie histoire. C'est l'homme a aidé. Non, mais à partir de ce soir, c'est Olomidieu. Ah, Olomidieu. Il ne faut pas casser le marché de... Voilà. Juste après la pub, on va résumer tout ceci avec Kofi Olomide qui, je le rappelle, donc, est en prestation ce samedi. On va y revenir brièvement et on va clore tout ceci avec une autre prestation hommage à Kofi Olomide dans ce LTI Tribute. A tout de suite. Suivez ce programme avec l'Onassi Online. Toujours très bien de le faire. On va peut-être clore tout ceci. Kofi, est-ce que tu te considères comme un iconoclaste quelque part? Vous savez, j'ai du mal à me juger, à me classifier. Moi, je suis un chanteur. J'aime le métier que je fais. Je préfère que ce soit toi qui me donne ton point de vue sur ce plan. Est-ce que tu te considères comme un artiste à part? Il y a les autres et il y a Kofi. Ça, je sais que tu pourrais... Chaque artiste est à part et dans son coin. Chaque artiste est... Et toi, tu es un peu plus à part que... Non, peut-être... Bon, disons ça comme ça. Voilà. D'accord. Voilà. Bon, c'est un bon résumé. Rendez-vous, c'est ce samedi. Samedi, j'aimerais que tout le monde soit là, que ça se passe fantastiquement. Et donc, voilà, qu'on fasse de moi ce samedi un champion d'Afrique, comme la Côte d'Ivoire l'est. D'accord. Kofi Olomide de retour sur ses terres, et c'est peu de le dire, Kofi Olomide qui est chez lui, qui a donné il ne sait plus combien de concerts en Côte d'Ivoire, il faut les chiffrer en centaines. Il sera parti de 21h sur la scène du Palais des Congrès du Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire pour le concert, dit donc à la carte. Ce sera l'occasion pour ceux qui l'aiment, qui l'adorent, qui l'adulent aussi, de revendiquer et de réclamer des titres qu'ils aimeraient entendre. Kofi Olomide, on va refermer ceci en musique. Merci beaucoup. Comme on l'a ouvert d'ailleurs. Avec la formation Section 4 Musique. Super. Qui rejoue pour toi et pour toi seul, Enrique. Super. Merci. On se retrouve... Demain. Demain. D'accord. Thank you.
kotika ngai awana kati ya motema lelo asi ya change makambo akomisi ngai moto mosusu Et à la richesse, ça me sanguisa, de ce n'a pas de mal à l'eau, vas-y, entendez-moi, avancez-moi, montez-moi, la sourire. Ce programme vous a été présenté par Lunacy Online.